رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. La causerie d'aujourd'hui, comme on n'a pas fixé un thème, un sujet, vous êtes libre de choisir. Et un de nos frères, M. Youssouf Leclerc, m'a suggéré de vous parler d'un sujet un peu technique. C'est à vous de décider d'accepter ou me suggérer quelque chose d'autre. Il demande que je vous parle de la place de la Bible en islam. Comme vous savez, le Coran parle Torah, Injil comme des livres révélés par Dieu. Donc, quelle est sa place en islam aujourd'hui? Est-ce que c'est complètement rejeté? Est-ce que c'est complètement accepté à suivre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'intermédiaire? Si ce sujet vous intéresse, je vous en parlerai sur la base de ce que les anciens juristes musulmans, fuqaha, de différents mazhab, Hanafi, Shafi, Hanbali, Maliki, etc., ont parlé. Voilà un sujet qu'on vous suggère. Cette question, la place de la Bible, ou plus généralement, la place des lois apportées de la part de Dieu, les anciens prophètes, c'est discuté depuis des époques très reculées chez les musulmans. Je ne peux pas vous dire si les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes, se sont posés cette question ou non. Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas trouvé la référence. Mais dès les grands fuqaha, depuis le deuxième siècle de l'Égypte, pour ainsi dire, ils ont discuté ce problème, surtout dans des ouvrages de Usul al-Fiqh, la méthodologie de droit ou la science abstraite du droit chez les musulmans. Sous le titre Sunan man kana qablakum, les lois de ceux qui étaient avant vous. Et ils ont réuni des opinions de différents juristes contemporains ou plus anciens qu'eux. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé des extraits ou des chapitres entiers chez les Mu'tazilites parmi les musulmans, chez les Hanafis, chez les Maliki, Shafi'i, Hanbali et Ababi. Vous connaissez Ababi de l'Afrique du Nord, c'est aussi un mazhab séparé qui n'est pas ni Hanafi ni Maliki, etc. Donc, ce sont six mazhabs, les savants de six mazhabs qui en ont parlé. Peut-être il y a d'autres savants aussi, comme chez les chiites, par exemple, chez les fatimites, chez les imamites, etc. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé dans leurs ouvrages une discussion de ce point. Pour ce qui est de ces six mazhabs, Mu'tazili, Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, Ababi, il y a une très curieuse constatation en fait. C'est que tous ces mazhabs disent qu'il y a divergence d'opinion. Les uns parmi les fuqaha disent c'est à rejeter, les autres parmi les fouradistes que non, ce sont à accepter sous certaines conditions. Tous les mazhabs sont unanimes pour dire qu'il y a divergence chez nous. Ce point que je viens de vous dire est important. C'est que tout le monde est d'accord qu'il y a divergence parmi nous. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu unanimité
chez les fuqaha pour dire quelle doit être la place de la Bible, par exemple, ou des anciens livres par rapport à la loi islamique, n'importe. Ce que je vous propose est de vous dire les arguments des deux. Ceux des fuqaha qui disent que les anciennes lois, les anciens livres révélés par Dieu ne sont plus valables pour les musulmans, et les arguments de ceux qui disent non, il reste les livres de Dieu pourvu que leur contenu n'a pas été abrogé par un certain verset du Coran. Donc d'abord pour dire pourquoi certains savants disent qu'on n'a pas besoin de pratiquer et d'appliquer les lois contenues dans les anciens livres. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'opinion de tous les madhabs. Il n'y a pas, par exemple, les Hanafis disent accepter, les Malikis disent il faut rejeter, non. Chez tous les madhabs, il y a une division parmi les savants. Les uns disent c'est à rejeter, les autres disent c'est à accepter. Donc pour commencer, ceux qui veulent rejeter entièrement, tout en reconnaissant que les anciens livres révélés par Dieu sont à être reconnus en tant que livres de Dieu. Mais comme ils sont abrogés, on n'a pas besoin de les suivre. Donc, premier argument qu'il dit, c'est que si les musulmans étaient obligés de suivre les anciennes lois, on n'avait pas besoin d'un nouveau livre, le Coran. Puisque Dieu nous a envoyé un nouveau livre, cela signifie que les anciens livres sont abrogés. Une constatation simple et raisonnable, il n'y a pas de doute. Et puis, il dit, si les anciens livres étaient à suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donné ordre au moins aux savants, aux juristes parmi les musulmans de s'instruire dans les anciennes lois, de faire des recherches nécessaires concernant les lois dans les anciens livres. Et il ne l'a pas fait, même pas dans le célèbre hadith de Sidna Mu'az ibn Jabal. Vous connaissez ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait nommé comme khawi, comme juge au Yémen. Quand il est venu demander congé pour aller de Médine au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, ô Mu'az, comment vas-tu juger? Comment vas-tu juger? Sidna Mu'az répond, selon le livre de Dieu. La réponse était bonne, correcte, mais cela ne suffisait pas aux yeux de notre prophète. Et il ajoute, et s'il n'y a pas quelques détails nécessaires que tu recherches dans le Coran, si tu ne trouves pas dans le Coran, la loi recherchée, qu'est-ce que tu feras? Sidna Mu'az répond, dans ce cas, de sunnat Rasulillah, selon la pratique, selon les directives données par le messager de Dieu. La réponse est correcte, bonne, complète le Coran, mais aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas non plus suffisant. Il faut, si tu ne trouves même pas dans la sunna la loi nécessaire, qu'est-ce que tu feras? À ce moment, Sidna Mu'az répond, je ferai un effort de raisonnement, je n'épargnerai aucune peine pour trouver la bonne loi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très content, lève ses mains vers le ciel et dit, voilà la réponse du messager de Dieu qui plaît au messager de Dieu.
C'était la façon de dire que la réponse au Sirna Mu'adh est correcte. Ceux qui discutent la question Sunan Mankana Khablakum, ils disent si il était nécessaire de chercher la loi dans les anciens livres des prophètes passés, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donné des instructions à Sayyidina Mu'adh, non seulement Quran et Sunnah, mais également Sunan man kana qablakum, il n'a pas fait. C'est-à-dire que les anciennes lois ne sont plus nécessaires. Nous respectons en tant que loi révélée par Dieu, mais nous ne les suivons pas, nous ne les appliquons pas. Voilà un des arguments de nos juristes à ce propos. Cette dernière chose, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'ordre, non pas aux gens ordinaires, même pas aux grands savants, aux juristes, aux khadis, de chercher l'ancienne loi, la loi des anciens prophètes. Ils disent au point qu'il y a même un hadith directement interdisant l'étude des anciens livres. Célèbre histoire de Sidna Omar. Un jour, Sidna Omar avait apporté la traduction de la Bible. Quel chapitre n'est pas mentionné, une partie, quelques feuilles, traduit de l'hébreu en arabe. Et après la prière, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, il dit que c'est beau, il commence à lire la Bible. Et il s'émerveille que c'est beau, etc. La couleur du visage de notre prophète changeait. C'est devenu rouge. Alors, Sidna Omar ne fait pas attention au prophète, mais les autres sahaba, ils disent « Omar, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas le prophète? Il est fâché. » Alors Sidna Omar s'agenouille et dit « Pour moi, Dieu et son prophète suffisent, je demande pardon à Dieu. » Et le prophète, à ce moment-là, répond « Célèbre citation, amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahudu wa nasara law kana musa hayyan lama wasi'ahu illa yattabi'ani. Qui veut dire, seriez-vous imprudents comme ont été imprudents les juifs et les chrétiens? Si Moïse était en vie aujourd'hui, il ne saurait rien faire sauf me suivre. C'est-à-dire maintenant, moi je suis le prophète, les anciens prophètes ont terminé leur mission, maintenant c'est mon tour de prêcher et de porter les révélations divines. Nos savants disent, par ce récit qui est mentionné dans presque tous les ouvrages, il apparaît que c'est interdit même d'étudier les anciens livres révélés, même la Torah. Les arguments, comme vous avez vu, sont solides et bons. Mais que faire? Même le Coran nous donne un ordre qui semble être contraire à cette opinion. Voilà le problème. Par exemple, ce verset dans Sourate An-Nisa, يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَكُمْ وَيُبَيِّنَ لَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dieu veut vous guider sur le bon chemin et vous expliquer les lois des anciens peuples. Donc le Coran lui-même dit, nous mentionnons les anciennes lois, même dans le Coran.
Plusieurs fois, plusieurs fois. Par exemple, concernant Sidna Salih, un ancien prophète, bien avant Sidna Moussa, et les juristes musulmans disent que les versets concernant la loi de Sidna Salih est toujours applicable aux musulmans. Ce verset, مثلاً, إن الماء قسمة بينكم بينهم كل شرب محتضر. إن هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. S'il y a un contrat entre deux agriculteurs, il n'y a pas assez d'eau, donc ils font un contrat. Un jour, moi, j'arroserai mes champs avec l'eau qui est disponible. Et tu vas le lendemain. Ou, comme dans le cas de Sidna Salih, il y avait une chamelle géante qui buvait beaucoup d'eau, alors il ne restait pas assez d'eau pour les bêtes des autres peuples dans le pays. Alors, Sidna Salih dit, un jour pour vous, un jour pour elle. Et dans la loi de Muhayyat, c'est-à-dire contrat agricole entre deux personnes pour l'emploi de la même chose, les juristes s'appuient sur ces versets pour dire que la loi de Sidna Salih est toujours valable pour nous. Un autre verset qui est plus choquant, si vous voulez, si je peux employer ce mot, en ce sens. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالأنف والأنف بالأذن والسن بالسن والجروح قصار. كتبنا c'est Dieu qui parle. Nous avons prescrit عليهم dans le contexte ce sont les Juifs. فيها dans la Torah. Nous avons prescrit sur les Juifs dans la Torah que 100%, dent pour dent, œil pour œil. Cette loi de talion reste toujours applicable en islam. Malgré le fait que le Coran précise, c'est une loi que Dieu avait prescrite dans la Torah pour les Juifs. Encore un verset, plusieurs versets. Qul sadaqallah. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. Dieu dit la vérité, il vous faut, ô musulmans, suivre la loi d'Abraham. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. Ce verset, اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا, s'est répété deux, trois fois. De même, ce verset, qui est très clair. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Ce qui avait été prescrit pour Nuh alayhi salam, pour Ibrahim, pour Musa, pour Isa, Shara'a lakum, c'est prescrit pour vous aussi. Donc, comment savoir quelle chose avait été prescrite pour les anciens prophètes, sinon chercher dans le livre. Il y a plusieurs versets de ce genre qui tous disent que les anciennes lois ne sont pas abrogées complètement. Au contraire, et malgré le fait que le Coran lui-même dit que les Juifs ont falsifié la Torah, leurs livres sont muharraf, musahaf, ne sont pas dignes de confiance, malgré cela, le Coran dit « Qul hatu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin » Même la Torah qui est actuellement en usage, apportez-le. Et parfois, ils l'ont apporté, ils l'ont lu, et le prophète a appliqué la loi contenue dans la Torah qui existait à son époque. Célèbre incident, un jour, les Juifs
amène devant lui deux personnes, un jeune homme et une jeune fille. Et tous les Juifs ont dit au Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons trouvé ce couple en flagrant délit. Ils ont commis adultère. Nous venons devant toi pour que tu juges et que tu punisses le coupable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur demande, quelle est votre loi dans la Bible? Ils disent quelque chose, le prophète dit non, vous ne dites pas la vérité, apportez la Bible. Et on a apporté la Bible, on a ouvert et on a trouvé, il faut lapider. Il faut jeter des pierres jusqu'à mort au couple qui a commis l'adultère. Cela montre que même la Bible qui existait à l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et concernant laquelle le Coran lui-même dit « Yuharrifuna al-kalima mawadi'ihi » ce n'est pas exact, il a été falsifié, etc. Malgré cela, la même Bible est employée pour appliquer sa loi en tant que loi divine. Donc, les savants qui disent que l'ancienne loi des prophètes passés n'est pas abrogé, il s'appuie sur le Coran lui-même. Jusqu'à maintenant, je vous ai cité les versets du Coran qui demandent aux musulmans de suivre les lois des anciens prophètes comme Sidna Nuh, Sidna Ibrahim, Sidna Moussa, Isa, etc., etc. La pratique du prophète maintenant. Je ne citerai qu'un seul cas intéressant, explicite. Dans Bukhari et autres livres, nous lisons une tradition, un hadith qui dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recevait pas un vahi, une révélation de la part de Dieu concernant la loi sur un problème donné, il aimait suivre la loi des gens du livre. Kana yuhibbu mutaba'ata ahli al-kitab fi ma lam yumar. S'il ne recevait pas une loi, il suivait les pratiques des gens du livre, c'est-à-dire des anciens prophètes. Donc, ce hadith montre que non seulement théoriquement, mais également pratiquement, l'islam applique certaines lois de ce qui a été révélé aux anciens peuples en islam aussi. Quel est dans ce cas, c'est-à-dire certains juristes disent c'est à rejeter, certains autres juristes disent non, c'est à suivre, quelle est la loi pour les musulmans? Parce que si je laisse des indices ceci, des autres disent cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils sont contradictoires, l'un dit oui, l'autre dit non. Donc, à partir de ces arguments, il faut tirer des conclusions. En effet, il y a un besoin pour les musulmans, tout au moins pour les savants, d'étudier les anciens livres s'ils existent. S'ils existent. Supposons, comme dit notre tradition, Sidna Adam a.s. avait reçu 10 sahifas. Son fils, Sidna Shif a.s. avait reçu 10 sahifas. Etc., etc. Où sont-ils? On ne sait même pas dans quelle langue étaient ces livres rédigés. Encore moins leur contenu. Donc, la première condition est si des livres révélés aux anciens prophètes existent-ils aujourd'hui ou non?
S'il n'existe pas, pas de problème. Mais s'il existe, il y aura la deuxième question, jusqu'à quel point sont-ils dignes de confiance? Je dis, on a besoin pour différentes raisons. Par exemple, il y a un verset dans le Coran, et pour le commentaire, on a besoin d'étudier les anciens livres. Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Dieu a prescrit aux musulmans le jeûne comme il avait prescrit le jeûne au peuple avant lui. Donc pour commenter, pour expliquer, pour prouver que chez les anciens peuples aussi le jeûne était obligatoire, on aura besoin d'étudier les anciens livres. Dans la mesure du possible, c'est-à-dire si les livres des anciens prophètes existent encore, ou complètement ou en partie. C'est un des besoins intellectuels pour nous. Encore, lorsque le Coran dit que les Juifs changent leur livre, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مَوَاضِعِهِ, cela ne veut pas dire 100%, une partie. Il y a des parties qui ne sont pas falsifiées par les Juifs, qui ne sont pas perdues non plus, et qui ont été même reconnues explicitement par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que vraie loi divine juive pour Sidna Moussa, comme dans ce cas que je viens de citer, la lapidation pour adultère. C'est une loi qui existe dans la Bible que nous possédons encore aujourd'hui, comme elle existait au temps de notre prophète. Et le prophète a reconnu que c'est une loi divine authentique. Donc, lorsque le Coran dit que Fatu bit Tawrati fatluha in kuntum sadiqin, cela concerne la partie de la Bible qui existe aujourd'hui et qui a des apparences d'être authentique. En effet, les Juifs eux-mêmes reconnaissent que la Bible n'a pas été conservée telle qu'elle intégralement. Quelque temps après Sidna Moussa, un roi de l'Irak, Babylonie, Nabuchadnezzar, il a envahi Palestine, il a ramassé tous les manuscrits de la Torah, les a mis à feu, complètement détruits. Pas un seul exemplaire n'a été sauvé. Un siècle après, un prophète, dit la tradition juive, Esdras, peut-être Uzair al-Islam, Ezra le prophète, il dit, je connais par cœur la Bible, il les a dictées. Il a dicté la Torah aux Juifs. Un prophète dicte, il faut croire que c'est authentique, mais que faire? Destin a voulu que, quelque temps après, les Romains attaquent Palestine et Titus, un commandant, lui aussi, qui occupe Jérusalem, ramasse les copies de la Bible des mains à feu. Quelque temps après, encore une invasion et un autre commandant romain répète le même acte la troisième fois. La Bible qui existe aujourd'hui a été restaurée pour la quatrième fois. Donc, jusqu'à quel point c'est exact et conforme à l'ancienne Torah, ancienne Bible, c'est une question qui ne nous concerne pas. Ce que je voulais dire, même les Juifs reconnaissent que leur Torah n'est pas complète, n'est pas originale, il a été restauré plusieurs fois.
Donc, tel quel, il y a des éléments qui sont dignes de confiance parce que le Coran lui-même dit Qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, lui aussi, trouve que certaines lois dans la Bible actuelle sont authentiques et les applique aux Juifs. Donc, d'un côté, le témoignage du Coran que la Bible actuelle est tout au moins en partie digne de confiance concernant la Torah. Et concernant l'Injil aussi, il y a un autre verset qui dit « Val yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi » Il est un devoir des chrétiens de juger leur litige, leur affaire, selon ce que Dieu a révélé dans l'Injil. « Val yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi » Donc le Coran lui-même donne ordre aux Juifs de suivre encore aujourd'hui la Torah, aux chrétiens d'appliquer encore aujourd'hui l'Injil, malgré les difficultés qu'il y a pour la conservation. Ils n'ont pas conservé leur livre saint comme les musulmans, alhamdoulilah, ont pu conserver leur Coran. Cela montre que malgré les difficultés de prouver dans l'actuel Torah, dans l'actuel Injil aussi, il y a des éléments authentiques et vraiment révélés par Dieu. Pour un point, le besoin qu'il y a pour les musulmans de prendre en considération les anciens livres, et le célèbre verset dans Sourate Al-An'am, Fabihudahu Muhtadi. Dieu donne ordre à notre prophète, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, suivez leur direction. Fabihudahu Muhtadi. Qu'est-ce que ces versets? Ça commence. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء et cetera. Puis وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فمن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فمن ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فَبِهُدَاهُمْ اِخْتَدِي. Après avoir cité une vingtaine des noms des anciens prophètes, le Coran donne ordre à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Ce sont les gens qui avaient été bien dirigés par Dieu lui-même, لَاِكَ الَّذِينَ هَدَ اللَّهِ فَبِهُدَاهُمْ اِخْتَدِي. » Suivez leur direction. Donc, il y a un besoin pour les musulmans de connaître, dans la mesure du possible, les lois des anciens prophètes et prendre en considération et suivre avec une réserve. La réserve est très simple. Quand le même roi, le même parlement promulgue deux lois sur le même sujet, disons le tarif du métro. Il y a quelques années, ça coûtait 5 francs, aujourd'hui, ça coûte, disons, 30 francs, un carnet.
Quelle loi suivre, la toute dernière, malgré le fait que les deux lois sont promulguées par la même autorité. De même, si c'est le même Dieu qui a donné ordre d'abord par l'intermédiaire de Sidna Adam pour faire quelque chose, puis le même Dieu a donné ordre, disons, à Ibrahim alayhi salam de faire un peu différemment, rester accroché à la loi de Adam alayhi salam au temps de Sidna Ibrahim ne sera pas obéir à Dieu. Au contraire, il faut suivre la loi la plus récente sur le sujet. D'accord, mais il y a une difficulté. La difficulté est que si la nouvelle loi n'abroge pas la totalité de l'ancienne loi, seulement une partie. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'exemple que je vous ai donné pour le tarif de métro, billet de métro, toutes les lois restent valables sauf le prix. Ne pas employer le même billet deux fois, ne pas entrer sans billet, etc., etc. Toutes les lois restent intactes, seulement le prix est changé. Dans ce cas, on dira que cette clause où il était marqué le prix de billet sera, disons, 5 francs ou 25 francs, est changé, cette loi seulement sera changée et le reste de l'ancienne loi restera en vigueur toujours. De même, si dans la Bible il y avait un détail, une loi, et le Coran n'en parle pas, cette loi sera toujours en vigueur et valable. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, Torah, de Moussa alayhi salam, il y a deux passages. Dans un passage, il y a la loi concernant la fornication, c'est-à-dire de jeunes gens qui ne sont pas mariés, ils commettent le péché de chair. Ça s'appelle fornication. Dans un autre passage, la Bible parle d'adultère, c'est-à-dire quand le couple déjà marié commet le même péché. Au lieu de se coucher avec sa propre femme, l'homme se couche avec la femme de quelqu'un d'autre. De même, la femme, au lieu de se coucher avec son mari, il permet quelqu'un d'autre, un étranger, pour cette vie. Ça s'appelle adultère. Dans la Bible, il y a deux différentes lois. Pour fornication, la Bible dit qu'il faut payer une amende argent. Je ne me souviens pas combien, 500 francs ou quelque chose. Pour la fornication, il faut que l'homme qui a violé une fille paye une amende. Et pour adultère, la Bible dit qu'il faut lapider jusqu'à mort le coupable. Dans le Coran, pour la fornication, dans Surat An-Nur, le Coran dit وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَةَ جَلْدًا. Amende, argent, non. Donner des fouets 100 fois pour l'homme et pour la femme, les deux. Donc, la loi de la Bible sera abrogée concernant fornication. Le Coran ne parle pas d'adultère. Donc, la loi de la Bible subsistera, continuera pour les musulmans aussi, c'est-à-dire lapider. Donc, vous voyez les besoins pour lesquels les musulmans sont obligés de prendre en considération les anciennes lois dans la mesure du possible. Donc, première condition est que l'ancien livre subsiste encore. Si nous voulons suivre, savoir la loi de Sidna Adam, ce n'est pas possible.
La loi de Sidna Idris n'est pas possible, la loi de Sidna Nuh n'est pas possible. Même Suhuf Ibrahim Abu Moussa, le Coran mentionne, le livre de Sidna Ibrahim n'existe pas, tout fait, rien. Nous sommes pardonnés, nous ne sommes pas coupables, ce n'est pas notre faute que ces livres n'existent pas. C'est la faute de nos ancêtres. Au contraire, pour les livres qui existent encore, nous pouvons voir s'ils parlent de quelque chose de pratique quotidienne pour les musulmans. Dans ce cas, il y a une condition. Il faut comparer avec le Coran. Si le Coran en parle, nous donne des ordres, l'ancienne loi n'est plus nécessaire. On le considérera comme abrogé. Supposons, la Bible dit célébrer les prières. Le Coran aussi dit célébrer les prières, aqimus salat. Donc, selon la loi, la science de la loi de la Bible n'est plus nécessaire pour nous parce qu'il y a précision dans la nouvelle loi des détails concernant cette chose. Au contraire, si dans l'ancienne loi il y a une précision et dans la nouvelle loi il n'y a pas cette précision, il y a un silence, dans ce cas, il faudra continuer à appliquer l'ancienne loi. Et pour cette raison que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens vous citer, quand il n'y avait pas une révélation à lui, il préférait suivre les gens du livre. Yuhibbu mutaba'at ahli al-kitab fi ma lam yu'mar. Même chose exactement, si la nouvelle loi donne des précisions, il faut suivre. Si nous savons que l'ancienne loi a donné un ordre et la nouvelle loi se tait, dans ce cas, il faut suivre l'ancienne loi. Voilà la loi islamique qui est l'avis des meilleurs de nos juristes, comme Imam Ghazali, comme Khassaf, comme Jassas, etc., etc. Et c'est dans tous les mazhabs. De quelques minutes, donc le temps autorisé par la Ligue. Je crois que maintenant on va procéder et tout le monde est d'accord. Je demande une chose avant. Oui. Est-ce que vous voulez que. On va faire un vote maintenant. Est-ce que vous voulez que je fasse le tirage au sort ou que je désigne quelqu'un? Non, pas tirage au sort. Tu fais tes choix des personnes auxquelles tu peux collaborer et travailler. Chacun lève le bras. Celui qui veut que je fasse le tirage au sort. Lui, il est d'accord pour le tirage au sort. Mais il demande notre avis. Il lui a donné confiance. Fais ce qu'il veut. Tirage au sort, désignation. C'est lui qui avait choisi ça avant. Alhamdulillah. C'est lui qui a dit le premier. Ça fait rien s'il peut revenir sur sa décision. Parce qu'il y a le débat. Parce qu'on a beaucoup parlé. Ça y est, ça y est. Il a craint de nous musulmans. Nous sommes des musulmans, en a confiance, et puis celui qui voilà, nous représente, c'est la loi islamique. La loi islamique, au sujet des livres des anciens prophètes et que leur loi sont en vigueur pour les musulmans aussi parce que ce sont des lois commandées par Dieu, à condition qu'il soit prouvé que c'est dans un livre de Dieu et que le Coran ne l'a pas abrogé. Deux conditions pour ainsi dire, prouver que telle ou telle règle existe dans un livre révélé par Dieu à un prophète passé, comme Torah, comme Évangile, comme n'importe quel autre livre. Et deuxièmement, que sur le même sujet, il n'y a pas une nouvelle précision dans la loi islamique elle-même, dans le Coran et dans la Sunna. Avec ces deux réserves, les anciennes lois continuent de rester en vigueur pour les musulmans. C'est théorie. En pratique, en fait, le Coran et la Sunna ont parlé des choses beaucoup plus en détail que dans les anciens livres.
de résultats et que les musulmans n'ont pas besoin. Imaginez, le Coran dit « وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ » Il faut que les chrétiens appliquent la loi d'évangile dans toutes leurs affaires. Mais dans l'Injil que nous possédons, il n'y a pas de détails qu'on fait. Les chrétiens étaient obligés de demander au Parlement de fabriquer les lois. Parce que le livre saint ne leur donne pas suffisamment de détails pour la vie quotidienne. Il n'y a même pas de loi concernant l'héritage. En fait, il faut que les musulmans soient reconnaissants à Dieu qu'il nous a donné en détail les lois. Il faut que les musulmans soient reconnaissants envers nos ancêtres qui ont conservé intact le Coran jusqu'à aujourd'hui sans aucun changement. Et il faut que nous soyons reconnaissants également vis-à-vis de nos juristes qui ont su tirer toutes les lois nécessaires pour les musulmans de sorte qu'ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs quoi que ce soit. J'ai terminé. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre disposition avec plaisir. الآن الشيعة أو الدروز أو الأبابيون أو الوهابيون. فيما يتعلق بالشيعة، نعم. Parce que eux aussi disent la ilaha illallah. Et aussi disent Muhammad Rasulullah Khatam al-Anbiya et aussi prient vers la Kaaba, notre Kaaba, et aussi Subah sur le même Coran que nous possédons. Il interprète différemment dans certains points qui sont de détail, mais sur l'essence, ils sont d'accord avec les sunnites. Concernant les autres sectes, je regrette que je ne connais pas les détails concernant leur croyance. J'ai entendu concernant les Arachanites, vous avez peut-être entendu le mot Arachan. Arachan, non pas Alawiya, c'est différent. Concernant Arachanites, qui sont Ismaïliens, je pense, pour eux, la Kaaba n'est pas ce bâtiment à la Mecque, c'est leur imam. Où que leur imam se trouve, il faut se tourner vers lui, que ce soit à Marseille, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Moscou, n'importe où. C'est leur imam et la Kaaba. Dans ce cas, moi, j'éviterais de prier s'il prie vers Turkistan, par exemple. De même, concernant les autres sectes, je regrette que je ne connais pas les détails de leur mazhab. Donc, puisque je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un imam qui soit drôle ou quelque chose, laissons-le pour une autre fois. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques exemples de pratiques des juifs et des chrétiens qui ne soit pas explicite en islam et que nous acceptons, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans le texte coranique ou dans le hadith, mais que nous devons appliquer puisqu'on accepte les anciennes pratiques. Comme je vous ai expliqué au cours de ma causerie, au du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on a profité de la Bible, l'Ancien Testament, la Torah pour appliquer. La loi sur l'adultère, par exemple, c'est une loi authentique, reconnue par le prophète en tant que loi dans la Torah. Dans ce cas, puisque le Coran ne donne pas de détails concernant l'adultère, cette ancienne loi de Torah sera
à appliquer, ce sera la loi pour les musulmans aussi. De même, les lois pour les évangiles. Je vous donne un exemple autre que purement juridique. Dans le Coran, il est mentionné dans un passage que les anciens prophètes ont prédit la venue du prophète de l'islam. Si nous cherchons, nous trouvons ce genre de référence dans le livre de Zoroastre, dans le livre des Hindous, dans le livre des Chinois, dans le livre des Juifs et même dans le livre des Chrétiens. Dans ce cas, c'est pour expliquer ce verset du Coran que Dieu a demandé à tous les prophètes de suivre un prophète qui va venir, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, ces références dans les anciens livres prouvent la véracité de ce que le Coran a dit. Et pour moi, il n'y a pas d'objection. Si je trouve cette mention dans un livre presque totalement absurde, mais sur ce passage, j'en profiterai. On dit concernant le Coran, le Coran est le confirmateur de l'ancien livre. Dans ce cas, on ne peut pas rejeter ni Torah, ni Injil, ni autres livres des anciens prophètes comme le livre de Enoch qu'on a retrouvé maintenant dans les manuscrits de la mer morte. Et là aussi, il y a la prédiction de la venue de notre prophète. Dans le livre de Sayyidina Idris, Enoch. Idris. Idris. Septième après Adam, c'est dans la Bible. Sept générations après Adam, c'est là. Un jour, quand il pleuvait, un berger qui faisait paître ses moutons pour se protéger contre les pluies. Il a regardé autour, il a vu une petite grotte, il est entré. Et là-dedans, il a trouvé certains jars où il y avait des choses écrites, manuscrites. Il a sorti un seul morceau, montré à un juif qui était enchanté, il a acheté. Et puis il est venu, il a cherché d'autres, toute la région, on a trouvé des centaines de manuscrits dans cette région. Et là-dedans, ce livre de Sayyidina Idris alayhi salam, en traduction abyssine. L'original n'existe pas, traduction éthiopienne, on a trouvé, on a traduit en anglais, en français. Et là-dedans, comme je viens vous dire, il y a prédiction de notre prophète encore aujourd'hui. Lire la Torah ou l'Injil pour résoudre ce problème. Il faut d'abord chercher dans le Coran, dans le Hadith. Si vous ne trouvez pas, il est licite pour vous de chercher ailleurs. Il a dû mentionner le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est le nom explicite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fik. Le frère, il disait, est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements où, dans les livres des chrétiens ou des juifs, il y avait le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nom Muhammad, vous ne trouverez pas, parce que c'est un mot arabe. Mais vous trouverez dans d'autres langues. Par exemple, dans le livre de Zoroastre, au lieu de Mohammed, il dit « Un prophète viendra après tant de milliers d'années, dont le nom sera la miséricorde pour les mondes. » Rahmatulil Alamin. Donc, il annonce par le mot Rahmatulil Alamin. Dans le livre de Hindou,
En sanskrit, vous trouverez les mêmes références. Mais le mot arabe ne se trouvera nulle part. Dans l'évangile, ce sera Paraclétos, par exemple. Et dans l'Ancien Testament, Menhem Mena, par exemple, ce ne sera pas Mohammed. Ce sera quelque chose d'une traduction. هل يوجد كثير من العلماء المسلمين الذين تخصصوا في دراسة الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل؟ كثير لا بعضهم نعم. Il y en a ceux qui ont étudié l'hébreu, il y en a ceux qui ont étudié le grec, ceux qui ont étudié sanskrit. Beaucoup non, il y a partout. Et ensuite, il y a des convertis aussi qui ont écrit. Par exemple, un chrétien qui a embrassé l'islam, il écrit sur le même sujet. Un hindou qui a embrassé l'islam, qui écrit sur sa propre religion, ancienne religion, sur l'islam. Il y a des ouvrages. Il y a dans l'histoire islamique, on parle de certains prophètes, en particulier donc Sidna Ayyub, certains prophètes en particulier de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas leur histoire qui ait été racontée par le prophète. Et la plupart des histoires musulmanes des anciens prophètes, comment était leur vie, comment ils se sont comportés au sujet de Sidna Moussa, par exemple, les détails de leur vie, ne se trouvent pas dans la révélation coranique textuellement, ni dans le hadith. Cela vient de certaines sources extra-islamiques. Est-ce qu'on peut y donner du crédit ou pas? Par exemple, au sujet de Sidna Ayyub, on parle de sa vie, qu'il a été malade, que même le diable serait venu le tenter à plusieurs reprises, que son épouse aussi aurait coupé une de ses tresses pour la vendre, pour pouvoir... lui porter assistance. Tous ces détails-là ne se trouvent pas explicitement. Alors, est-ce qu'on peut y donner du crédit ou pas? يقول الأخ يوسف نجد عند المسلمين يتحدثون عن كثير من الرسل. نذكر على سبيل المثال سيدنا أيوب وغيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يتحدث كثيرا عن حياتهم. نذكر أيضا يتداول على ألسنة المسلمين أن سيدنا أيوب كان مريض والشيطان يأتيه ثم زوجته تعالجه، قصص من هذا القبيل. هل نصدق هذه القصص أم ماذا؟ À ce propos, dans Bukhari, Sahih Bukhari, il y a un hadith intéressant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demandez aux juifs, également aux chrétiens si vous voulez. Ensuite il dit, ne les confirmez pas et ne les rejetez pas. Écoutez, pour science, vous n'êtes pas obligé d'ajouter foi comme 100% correct, parce que c'est dans leur livre. Là, tout ça dit voilà tout kafirum. Donc, c'est un bon conseil qui nous encourage à l'étude et également à la prudence. Tout même que tel récit dans la Bible est faux. Dans ce cas, évidemment, on ne peut pas accepter les anciens détails. Par exemple, ce verset concernant Salomon. Oma kafara Sulaymanu wala kinna shayatina kafar. Tandis que l'Ancien Testament dit que Sidna Sulayman, par amour pour une belle femme, adorait l'idole dans son propre palais.
Le Coran dit « Ma kafara Suleyman, walakin shayatina kafaru » Dans ce cas, on rejettera la Bible. C'est pourquoi le prophète dit « Ne les rejetez pas et ne les croyez pas. Étudiez, il n'y a pas de mal. Et ce qui convient, se conforme au Coran, vous accepterez. Ce qui est la blague, vous rejetterez. » الأخ يسأل من الذي أتى قبل هل سيدنا نوح أم سيدنا إدريس بعد آدم بعد أن بعث الله عز وجل بسيدنا آدم من الذي أتى بعده هل إدريس أم نوح إدريس أولا نوح بعد نعم يعني سيدنا إدريس ثم آدم شيث إدريس نوح ensuite إبراهيم نعم يعني نقول لك ليس فيه أخطاء كبيرة سي با غراف إنما آدم يثير موضوع آخر جمع القرآن يعني موضوع جديد يعني جمع القرآن وهل جمعت كيف جمعت أيضا الكتب الأخرى وهل تم جمع الكتب الأخرى إن شاء الله مرة أخرى الله يبارك فيك كذلك هو مريم ديك هارون إلى الآن سيدنا مريم يا أخت هارون جبريل سوار سكل هارون هارون الفرير موسى ومين هذا هارون تزيد عاود اخي السؤال اذا لا سوره دو مريم اونلي الفرسي يا اخت هارون كي هي سو هارون نسيت اسكو سي لو فرير دو سيدنا موسى اليا انا غاب لو تيرم ابن فيس بنت في اخت سير dans le sein de membre d'une tribu. Donc, Ukht Harun signifie un membre ou une membre de la tribu de Harun. Donc, pas de problème. Ukht, par exemple, il y a Ukht Khuraish, c'est-à-dire une Khuraishite. Et c'est courant, ce n'est pas mon invention, c'est très courant en arabe. Bani Adam, pour tous les hommes, non pas seulement les fils d'Adam. Bani Israël.